du coup, quelques jours après le premier épisode, parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, il fallait qu'on se fasse des trucs. Il faut faire la présentation. Ah non, c'est bon, ça, on l'a déjà fait. Donc du coup, on est reparti, comme d'habitude, il va falloir qu'on se démerde. On n'oublie pas qu'il faut qu'on aille à la convention de la Game World le 10 février. Et du coup, pour commencer cet épisode, évidemment, on va étudier, voilà, parce que c'est la vie. Et ensuite, on fera un petit jeu tranquillement, on va faire une petite vidéo sur un jeu qui cartonne, c'est-à-dire aucun... Je suis un petit peu malade, ça s'entend peut-être. Mais il n'y a aucun jeu qui cartonne. Et ben on va reprendre ce jeu et puis on va faire un gameplay dessus. De toute façon, en plus, on n'a plus d'argent, donc il va falloir qu'on aille travailler. Après, j'ai oublié de vous le dire. En fait, si on fait pas de vidéo, nos abonnés vont être pas contents et ils vont envoyer un psychopathe venir nous casser la gueule. Calme. Prends tes calmants, va travailler. Tiens, va laver des voitures. Oh non, Marcel, il est complètement bugué. Oh, il a complètement bugué. On a récupéré Michel. Alors, Michel, tu vas dormir, tu vas manger, tu vas travailler. Tu vas travailler 30 heures, tu vas travailler pour 30$. Parce qu'il nous faut de l'argent pour un nouveau jeu, sinon on n'y arrivera pas. Puis tu reviendras dormir, et après tu iras manger. Puis ensuite, tu nous feras une nouvelle petite vidéo. Il faut faire plein de choses avant de faire des vidéos, d'accord ? On a une ville, nous, derrière. Un travail d'esclavage. Allez, mange tes légumes bio. Et plus vite que ça. Mange ton cul. Allez, c'est parti, tu vas travailler, Axel. Allez, Marcel. Bonne journée, Marcel. Travaille bien. Il a disparu dans le noir. Marcel est mort ce soir. Tu te passeras de manger. Manger, c'est pour être ta fiole. On va choisir un jeu. Tu feras Mystique 5. End of season. On va recommencer. Vas-y. Parfait. Ok, ça bug plus. Non, parce que en fait, j'avais déjà réessayé de tourner. Sauf que ça avait tellement bugué que finalement, j'ai dû complètement éteindre le jeu pour le faire. Allez, c'est parti. On va créer une nouvelle vidéo qu'on va appeler... Détective, toujours prêt. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Voilà. C'est votre défi dans les commentaires. Trouvez pourquoi j'ai mis ce titre. Je sais pas du tout. Allez, Rémi. Alors évidemment, salutations sympathiques, hein, puisqu'on est toujours sympathique avec nos abonnés. C'est-à-dire, quand j'arrive, je vous dis bonjour, ce qui est normal puisque je ne suis pas un connard envers vous. Même si je pourrais être un connard. Voulez-vous que je sois un connard? C'était pas drôle. Mais je voulais le faire quand même, cette blague. Alors, Jean-Marcel Dupin, on va avoir un problème. On part sur ça, mais c'est totalement nul à chier. Ah, ça pue la merde, totalement. On va ensuite... alors, évidemment, on peut pas y aller, donc on va aller étudier. Le temps que notre vidéo se poste. On a gagné quoi? Des salutations sérieuses, mais non. Et parce qu'il faut toujours être sérieux envers ses abonnés et leur dire la vérité, leur dire que oui, on gagne de l'argent grâce à vous, mais pas beaucoup. Allez, Jackie, bravo. Allez, c'est l'heure de dormir et de manger. Ensuite, vu que t'es mon esclave, tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler 6 heures pour redormir. Pour le moment, là, on essaye de se faire de la thune comme on peut. Surtout, on essaie de se prendre un bon jeu, ça serait bien d'avoir un bon jeu. Voilà, donc tu pars manger, ensuite tu iras faire du shopping. Ok, parfait. On va le faire en dernier en fait, on va d'abord faire le shopping. Voilà, on va se démarrer comme ça. On va d'abord faire le shopping, puisque la vidéo est sur internet. Donc alors, shopping, on va prendre quoi comme jeu? Un jeu qui est sorti récemment, c'est-à-dire on est le 20. Il est mieux d'acheter celui-là. On va acheter celui-là, en plus il coûte moins cher. C'est bénef. Allez hop là. C'est bon, c'est dans la boîte. Voilà, donc le temps qu'on le reçoive, on va aller livrer les journaux. On ira ensuite dormir. Au passage, on en est où sur l'examen? Bon, l'examen ça passe. Attends, il y avait quoi? Attends, j'ai pas lu. Eh oh. Il y avait quoi? Il nous prévient qu'il nous offre nos jeux. Très bien, enfin, qu'il nous livre nos jeux. Très bien. Ok, ensuite on va faire du coup ce nouveau jeu. Hein. Et on est parti pour le buzz du moment. Voilà.
On va appeler cette vidéo le buzz du moment. J'ai aucune créativité. C'est nul à chier. Non, maman, je sais, j'ai pas trop trafé cette semaine. Le buzz du moment. Voilà, parfait. Allez, ça part en prod. Hop, merci, on a acheté un nouveau jeu, donc on a reçu de l'XP. D'ailleurs, on passe bientôt niveau 4, c'est pas mal, on va avoir de nouveaux trucs. Intro avec le logo, évidemment, parce qu'on a pas d'intro avec le logo, nous, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Ouais. Je sais pas si ça serait mieux d'en faire une avec le logo. Je sais pas. Après, il faut que je me démerde et la faire, tout ça. Mais après, on n'est pas forcément obligé d'avoir une intro avec le logo pour pèse dans le game. Très bien, celle-là, elle s'est bien produite. Ouh, un bon atterrir grâce à la popularité du jeu. Attention, est-ce qu'elle nous engueule ou pas? Normalement, elle nous engueule. Voilà, là, elle nous engueule. La comme m'a appelé, elle m'a dit que tu manquais beaucoup de cours cette semaine, elle est sur l'ordinateur, seule et étudie. Ok, on est là. Allez, pour toi, maman, on va étudier deux fois d'affilée, voilà, parce qu'on est des thugs. Et c'est parti, là, on étudie à max, parce qu'il faut vraiment qu'on loupe. Parce qu'en fait, si on loupe notre truc, elle nous punit. Donc, attention, on dirait que mon PC a quelques problèmes, je dois vérifier son état. Info. Ah, il faut que je le répare, évidemment. Donc, je vais le réparer. Ça va me coûter 20$. Ouais, mais par contre, j'avais prévu des trucs, moi. Et donc, il y a un réparateur qui vient d'où? Il me semble que plus tard, vous pouvez le réparer vous-même. Donc, ça sera peut-être mieux. Alors, je peux rien faire, ok. Je peux rien faire. Maintenant que c'est réparé, j'aimerais regarder ce que le magasin de PC a en stock. Améliorer. Ok. Mais déjà, il faudrait que je clique dessus. Clique droit sur ton PC. C'est ce que je fais. Ah, c'est bon. Nickel. On améliore. C'est pas certain, tu peux acheter des. Oui, donc ça, c'est pour acheter des trucs. Honnêtement, on est vraiment pauvre. On va pas s'en acheter. Hein. Voilà. On va aller étudier comme des petits bourges. Voilà. On va étudier deux fois. On va aller manger. On va dormir là-bas. Puis on ira manger. Voilà, ça, c'est notre programme. De la journée, voilà, on va lui faire plaisir, hein, parce qu'après il va nous dire « Eh, mais t'as pas travaillé cette semaine ?» Alors que, bah si, totalement. On est bientôt prêt pour la date de l'examen. L'examen, c'est le 31. Le 31, on y est. Ouais. On peut dire qu'avec la dernière étude, on est prêt. On va tout envoyer. On va avoir notre bac. Qui est cet homme? Que viens-tu faire ici, Timothée? Dis-moi tout. Que fais-tu ici, Timothée? Je te fais le truc d'un jeu. Bonjour Brian, je vais t'inviter au cinéma ce soir, je sais pas si tu veux, mais j'ai entendu que ce film est super, tu viens? Eh bah écoute, je dors en travers, et oui, pourquoi pas? Allez. Allez, je viens. Allez, vas-y, je suis chaud. Un petit cinoche, un truc pour toi. Vas-y, moi je suis chaud patate. Ouais, on va peut-être dormir, on va arrêter de dormir comme des cons. Eh bah écoutez, ça fait un très bon buzz, ça, le buzz du moment. On est très bien. On se met bien. On commence déjà à gagner des dizaines de dollars, c'est pas mal. On prend max d'abonnés, par contre. Ça, c'est pas déplaisant. Voilà, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. Je dois vous avouer que c'est plutôt bien réussi, Jacob. En tout cas, nous, on va s'habiller et on va aller direction le Cinoche. Merci, monsieur. Hop, merci, laisse-moi m'habiller. Hop, alors, on va aller direction le Cinoche. Pour le Cinoche, évidemment, on va bien s'habiller, donc on va s'acheter... On va y aller en t-shirt vert, voilà, parce qu'on n'a pas de swag. On va prendre un petit pantalon bleu, voilà, un petit jean, avec des baskets rouges bien mignonnes, bien kawaii, avec des lunettes, oula non, avec des belles lunettes. Et on peut y aller. Je vais m'étouffer. Bon allez, c'est parti. Et nous voilà au cinéma en compagnie de Patrick. Je sais même pas qui c'est. Comment tu t'appelles? Jude. On t'appelait Patrick. On peut le renommer, vous pensez? Salut Patrick! Alors, donc au cinéma, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plein de monde où plus tard vous pourrez donc soit vous faire des potes, soit vous pourrez les interviewer pour votre chaîne YouTube. À quoi ça sert? Je sais pas du tout. C'est comme si moi je me mettais à parler à Vultran et que je vous faisais une vidéo là-dessus. C'est totalement inutile. Mais voilà, ils se sont dit, eh, ça pourrait être sympa. Bon, on va y aller parce que dans le cinéma, on va bien se faire chier, je dois vous avouer. Donc allons-y. Mais avant le cinéma, il y a toujours, parce que oui, les Américains font toujours trop.
Avant le cinéma, il y a la conférence de presse, voilà. Voilà, voilà. On va poser pour la presse, nous, un youtubeur extrêmement connu, comme nous. Évidemment, on pose pour la presse pour qu'ils nous reconnaissent et qu'ils nous disent « Waouh, vous êtes connus !» Vous pouvez sortir, personne ne vous connaît. Ça me fait du mal ce que tu dis là, le videur. Ça me fait grave du mal. Nous voilà dans l'enfer sur Terre. Où est-ce qu'on va s'asseoir? Eh ben écoute, moi je vais m'asseoir à côté de cette magnifique fille, pendant que moi je lui parle et je mets ses boobs, et qu'on regarde le cinoche, toi tu vas pouvoir prendre ton popcorn et te noyer dans le coca. Pendant que nous, moi, j'essaye d'établir le contact avec cette jeune femme. You are still in my mind. The truth is so hard to find. With all the things that's going on. C'est fait, donc voilà, à partir de maintenant, on peut inviter qui on veut dans nos contacts, dans les sorties cinéma. Donc voilà, pour le moment, on s'en branle. Mais voilà, du coup, on a établi le contact, je pense que dans les sorties cinéma, je pense pas vous les, bah, pas vous les montrer. Parce que c'est assez relou en fait. C'est ultra relou. C'est tout le temps la même chose. Et c'est pas du tout bien. On va faire une nouvelle vidéo du coup. Après avoir étudié comme pas possible, parce qu'on se rappelle que c'est très bien. On va continuer dans notre jeu du buzz. Cette fois-ci, on va aller cash avec nos abonnés. Moi, j'ai envie de tout vous dire, les amis. J'ai besoin d'argent. Voilà. J'ai besoin d'argent. Merde, attendez. Faut savoir écrire aussi. J'ai besoin d'argent. Voilà, très bien. Voilà mon pote, comme c'est bon. Allez! Allez, mon pote, vas-y. Fais-moi rêver. Hop, salutations sympathiques. Évidemment. On leur fait croire qu'on est sympathique avec eux. Voilà, on leur fait le petit regard du séducteur. Pas du tout séductrice. Ça ne veut absolument rien dire. Mais absolument rien dire. Et évidemment, on se fait le commentaire en chantant que nous comprenons bien sûr. Évidemment, au montage. Ça c'est bon, ensuite on fait le montage de tout ça qui va nous prendre 5 bonnes minutes. Voilà, tout côté. Il y a plein de rouges, mais on s'en va les couilles, ça fait 60%, ça va nous faire de l'argent. Les amis, on va se faire de l'argent. Voilà. On va dormir, on va faire ça, on va travailler aussi. Je vais dormir, merci. On va travailler aussi parce qu'on a besoin de thunes, on va aller laver des voitures. C'est bientôt l'heure de l'examen! Et le 10 février, on a la Game World. Je pense qu'on s'arrêtera après la Game World. Si ça va vite. Salut, salut, je m'en bats les couilles. Alors, attendez. J'ai pas vu. Je sais plus s'il y avait, parce qu'il y avait. La date de l'examen. Ah merde, il faut encore qu'on ait étudié. Bon bah, on va étudier. On étudie, venu. Ensuite, on va dormir et on va aller manger. Alors, on va recevoir quelque chose avec les droits d'auteur. Les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? En fait, si on le fait et qu'on le poste, on le met dans une vidéo et qu'on la met sur YouTube, en fait, ils vont forcément nous dire « Eh, mais t'as pas le droit de faire ça? Tu veux me donner de l'argent? Hein? Attention, est-ce qu'on va se faire engueuler? » Je pense pas, vu qu'on m'a taffé comme pas possible. Hein. Et par contre, ouais, je vais aller bouffer d'abord. Ok, donc j'ai besoin d'argent, fait pas mal de pouces verts. Un avis de 4 sur 5, c'est pas mal. Salutations dans ce centre. Vous voyez les mecs, ouais, quand on aime bien danser. Mais regarde, je vais faire une vidéo de moi un jour, mais je sais pas comment faire. Tu pourrais aussi modifier la vidéo, pourrais-tu le faire pour lui? Je te vois le jeu. Allez, c'est sûr. Donc British Office. Ok, très bien. $120, c'est un peu pété. On va s'offrir un nouveau PC. J'ai beaucoup utilisé cette semaine, si tu continues, je vais peut-être te donner un cadeau. Comme un nouveau t-shirt. Ouais. Avant le 3 février, ça passe. On va te le faire tout de suite, mon pote, ton gameplay. T'es mon meilleur ami, espérons que ton jeu pue pas la merde. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. On va appeler cette vidéo pour John. Voilà, on va l'appeler comme ça. Pour John, mon poteau du primaire. Voilà. Voilà, voilà. Ça vous dérange? Ça part en couille. Ah non, mais les titres, faut pas les regarder généralement. Hein. Hop, allez. Alors, le jeu pue la merde. Voilà, autant vous le dire tout de suite. Ce jeu plus grave la merde, on dirait que c'est ma petite soeur qui a fait les dessins. J'ai envie de vomir. Quelqu'un peut prendre la relève? 2. Allez, vas-y, fais-moi rien, le jeu. C'est bon, on est sur du lourd. On est sur du bon lourd là, hop. Je parle pas du mec dans les soirées. Le lourd. Oh là là, je deviens relou. Bon, 62%, c'est pas mal non plus. On a une bonne qualité, une bonne édition. C'est pas mal. On va dormir, on va travailler. Parce que le travail, c'est la santé. On va, comme d'habitude, aller lire les journaux pour des gens que nous connaissons même pas.
Ensuite, on reviendra dormir et on ira manger des chips. Parce que les chips, c'est la vie. Voilà, voilà. Là, je suis en train de réaliser que je vais devoir faire masse de montage pour tous les épisodes de YouTuber Life. Ça va être très très drôle. Comme quoi, voilà. Ça, c'est la réalité, par contre. Hein. Les productions des vidéos, lorsque vous avez les montages, ça, par contre, c'est la réalité. Ça, ça prend énormément de temps et c'est ce qui me prend énormément de temps. Voilà, donc si vous vous demandez pourquoi j'avais pas fait de vidéo pendant un tel bout de temps, il n'y en a pas eu pour tout le mois de juin. C'est pour la simple et bonne raison que c'est facile à tourner, c'est compliqué à faire le montage, tout ça. Mais là, il y a plein de vidéos qui arrivent. Là, déjà, il y a le FK qui normalement est déjà là, puisque je le poste dès que je pars. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Normalement, je devrais tout vous poster. J'ai plein de trucs à poster moi. Je vous remercie de faire ça pour moi, je t'avais pas peur de recommencer. Si vous connaissez le nouveau projet, très bien. Eh bien, donne-moi de l'argent, tout ce que je voulais. C'est l'heure du nouveau PC. C'est l'heure du nouveau PC. Grâce à John, on va pouvoir s'acheter un nouveau PC. Alors. Où ta mère? Où ta mère? Allez, on s'achète un nouveau PC. On est des foufous. Dans notre vie, voilà, on s'est acheté un nouveau PC. Personne ne nous dit rien, notre mère veut nous engueuler. Et ça va être l'heure du bac. Ça va être l'heure du bac. Donc on va aller livrer les journaux et on va arriver complètement déchiré au bac. Puisque c'est l'heure des examens de janvier. On va y arriver. On peut le faire. On a dit qu'on était un génie. Et puis il y a John. John qui compte sur nous. John, on ne te décevra pas. John, compte sur moi. John, on ne te décevra pas. Voilà, c'est ce que je pensais lui dire, mais je suis pas sûre, en fait. La note de l'examen, attention, B, remarquable. Oh, putain, en général, j'ai des A+. Ah, oh, je suis dégoûtée. Attention, attention, c'est tout ce que t'as à me dire. J'ai un B, c'est très bien, un français, 25$. 25$, waouh, maman, incroyable. Super. Je suis tellement content d'avoir eu ces 25$. Je ne peux pas savoir combien ça me fait plaisir. Bon, c'est pas grave, on va se faire plus de YouTube Money. Hop. Allez, c'est parti, on va faire une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va appeler ça l'enquête du crime. Et nous sommes le 7 février et j'ai envie de passer ces derniers jours avec vous puisque j'ai débloqué un nouveau type de vidéo. J'ai commencé à avoir des fans et j'ai ressenti le besoin de partager avec eux, de me passer devant la caméra pour partager mon opinion. Je pourrais faire cependant n'importe quel événement en cliquant sur mon personnage puisque maintenant je peux faire des vlogs. Voilà. Comment se faire plus d'argent? Voilà, donc en fait, j'ai fait un peu plus de vidéos. Voilà, je suis à 16 000 abonnés, j'ai fait des petites putaclics, hein, genre du style John est mort. C'est très bien. The Dragon, j'ai entendu que vous parlez de très bonnes vidéos, très bien. Tu veux quoi? League of Giants. J'aime pas trop ce jeu, mais ça passe pour toi. Alors, vlog, voilà, très bien. Donc, on pourra faire un vlog à la Game War, le passage. Autant en profiter. Autant être un fils de pute jusqu'au bout. Dis-moi que, Bobby, ton jeu est sympa. Ton jeu pue la merde. Cool, je te l'envoie dès que j'arrive. Tu me l'as déjà envoyé avant le février 14, un gameplay dessus. Ça devrait être pas bien, ça devrait être pas bien compliqué à faire. Donc, vu que ton jeu ne buzz pas, on va dire que ton jeu pue la merde. Voilà, tout simplement. Moi, il faut un jeu qui buzz, d'accord? Allez. Allez, allez, on y retourne. On va faire ta petite vidéo pour l'argent, mais c'est tout. Hein. Voilà, c'est juste pour l'argent. D'ailleurs, on va être sincère avec eux. Pour l'argent. Moi, je dis tout à mes abonnés. Hein. Bon, en vrai, je vous dis pas tout, mais... Mais de toute façon, il se passe rien d'excitant dans ma vie. Allez, ça serait bien. De toute façon, là, on est le 9. C'est-à-dire que ce soir, on va à la Game World. Demain soir. Ou demain. Demain carrément, on va à la Game World. Et ça, c'est le feu. Hop. On se rajoute, parce que là, on n'a pas beaucoup de jeux d'acteurs. Hop. On est obligé de rajouter des trucs comme ça, putain. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ok. On a... Ça. Ah non, on a ça. Ouais, et on a ça. Ça passe. Et ton jeu, il buzz pas trop, fraté. Hein. Bon, c'est vrai que t'as donné une vidéo de John est mort et ça buzzait pas trop non plus. Mais voilà, t'as pas à me juger sur John est mort parce que John, c'était un bon copain. Bref, du coup, on va dormir. Et demain, on va à la Game World. Enfin, vous allez comprendre ce que c'est. On va obtenir quelque chose d'assez sympathique.
La Play Studio est à bout de souffle, elle sera retirée du marché sous peu. On va peut-être se l'acheter, je sais pas, est-ce que ça serait peut-être bien qu'on garde plein de vieilles consoles. Un petit peu genre comme les jeux vidéo, vous savez les vidéos de connexion là. Un petit peu comme dans ce style là. Tiens, de s'habiller pour aller à la Game World, et quoi de mieux pour aller à une convention de jeux vidéo qu'un t-shirt rouge ou jaune? Non, un t-shirt jaune, voilà, c'est bon, on a notre style, on peut y aller. No swag! Allez, c'est parti, direction la Game World! La Game World, alors vous voyez du monde de partout, il y a une bonne femme, bonsoir madame. J'aimerais acheter une Sega Mega System. Bonsoir, vous voulez obtenir des produits exclusifs? Ouais! Obtenir un score de 1000 sur l'un des jeux, obtenir cette Sega Mega System. Je vais jouer et obtenir la Sega Mega System. Tu peux en être sûr, bébé. Alors, l'excusez, appuyez sur Space pour. Okay. Alors, ça, c'est le mec qui nous envoie sa réponse. Alors, tu permets, Johnny, je suis pas trop chez moi là et tu me bloques la vue de mon jeu. Ah, attention, ok, on a récupéré quelque chose. C'est hyper bien fait, j'adore. Ça fait un peu un petit. Enfin, ça fait surtout Space Invader. Space Invader. Donc, c'est fait hyper bien. Alors, attention, puisqu'on a de la vie aussi là-haut. Hop, oh là là. Oh là là. Ah, d'accord, donc ça, c'est quand on perd de la vie. Il nous faut un score de 1000 et on pue grave la merde. Allez, allez. Ok, je sais pas du tout ce que ça fait le plus. On va dire que c'est bien. Ok, on n'a pas eu du tout un score de 1000. On pue grave la merde. Est-ce que ça, c'est, du coup, c'est le même jeu? Ah non. Connecter les points de la même couleur. Oh, c'est génial ça! Ça, c'est un jeu que je kiffe ça. Pas parce que je suis un enfant de 4 ans, ok. Mais ça, je sais très bien comment faire. C'est très bien. Hop, ça, c'est trop bien ça. Tac, tac. Non. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, tac. Et tac. Ok, 511. On peut avoir les 1000. On peut avoir les 1000. Moi, j'y crois de ouf. Tac, hop, et tac. Ok, 748, on peut le faire en 8 secondes le truc, ou à un moment qu'on récupère le truc. Hop, allez, bouge. Ok, c'est bon, on a pris des secondes en plus. Allez, à nous les 1000 points. À nous la... Oh non. À nous la nouvelle console. Non. Oh là là, mais le seum. Vas-y, bouge de là, toi. Ok, en fait, on peut jouer que ici. Oh, le seum, putain, plus la merde. Ah bon, ce serait con d'aller dans une convention de jeux vidéo et les ramener. Ok, on va prendre notre revanche sur Space Invader. Alors attendez, on va bouger la souris. On va prendre le truc. Ça sera peut-être mieux. On va aller peut-être prendre des tirs. Alors c'est très 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 injouable. Vraiment, c'est presque nul. Alors attendez, on va essayer de pas mourir. Il me semble que si on le tue, voilà, ça nous rapporte des points. Ok. Je stresse comme pas possible. Tu meurs. Ok, très bien, très bien. Allez, allez. Okay, pour le moment, il nous envoie pas trop de missiles. Je suis concentré de ouf, j'ai pas envie de perdre. J'ai envie de me barrer avec une console. Ah putain. Ok, là on s'est pris un tir. C'est pas grave, on a subi une défaite. On n'a pas perdu la guerre. Pas du tout à quoi ça le plus, mais pas du tout. Hop. Ah putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Ok, alors là il y a le double shot qu'on prend. Ah mais il y a du temps aussi. Oh les bâtards. Allez, tue-le. Ah, c'est bon, on a les 1000. Ouh, on a les 1000. Il nous reste 2 secondes sur les couilles. On sera les couilles. Ah, le plus, à mon avis, ça servait pour nous donner du temps. Eh, tu sais quoi? Eh ben, j'ai gagné un prix. Oh, génial, le jeu militaire n'est pas. Voici votre prix pour un prix, bien sûr. 70$. Moi, j'ai de l'argent. Acheter un jeu pour la Sega Mega System. Tu vas voir que c'est 500 aussi. On s'en va les couilles, qui allait se faire enculer. Oui, on veut des produits exclusifs. Un rollerball quiz. Un score de 1000. Alors, c'est hyper drôle parce que moi, j'avais pas du tout, sur ma partie personnelle, j'avais pas du tout les mêmes consoles. Et je pense que c'est hyper bien d'avoir fait diversifier les trucs. Ah putain, on se retrouve sur ce jeu de merde. Lui, c'est vraiment le jeu de la salle, tu vois. Il y a que ce jeu-là. Ils se sont dit, ouais, on va mettre un seul jeu. Comme dans une convention de jeux vidéo, c'est parfait. Hop, oh non, on fait de la merde. Attendez, est-ce qu'on gagne du temps ou pas? Que dalle. Ah, peut-être que ça nous fait venir un alien comme ça. Le mec, il se met à imaginer des théories quand même. Oh, wow. En tout cas, ça fait tirer des trucs en diagonale. C'est pas bien ça. Laissez-moi tranquille.
Là, je suis concentré. Je peux pas perdre. Allez, 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 allez. On dirait presque que je joue à Overwatch, quoi. C'est aussi intense que ça. C'est la fin de cette vidéo. Il y a eu un problème, du coup, j'ai pas pu gagner le jeu à la Game World. Extrêmement déçu. Ah, il nous reste 6 secondes, on peut essayer. On peut essayer, il nous reste 6 secondes. Ça passe crème. Bon, voilà, c'est fini. C'est on va terminer cette vidéo, évidemment, par l'ouverture de notre nouvelle PC. Non. Ah, très bien, donc ça, c'est pour être colocataire avec toi. Très bien, et bien, la prochaine fois, nous déménagerons. Hein, on se barra de notre maison. Mais pour le moment, on va pas déménager. Voilà. On va pas déménager pour le moment. Nous nous barrons de cette maison. Écoutez, la convention vidéo s'est bien passée. On a gagné une nouvelle console. Au pire, on achètera les jeux. C'est pas un problème. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera du coup dans 2 jours ou plus tard pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Yeah, yeah, yeah.